j'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidé par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Allô, c'est Olivier Langevin de Galaxy. On est en show à l'université pour la rentrée ce soir. Fait que c'est ça, on fait une petite entrevue avec Estrie Plus. Le rock très actuel de Galaxy se teinte du blues et du rock de la fin des années 60, début 70. C'est une bonne influence quand même pour nous autres. Comme je te disais, le rock de ces années-là, ça nous a beaucoup marqué. Fait que c'est clair qu'il y a des traits communs. Là. Galaxy, ça se vit sur scène comme en clip. Les réalisateurs ont leurs idées, tout ça. Tu sais, quand tu vois le résultat, c'est tout le temps impressionnant parce que de la manière ça se fait, tu vois pas vraiment, t'as pas vraiment d'idée, toi, de où ça peut s'en aller, tout ça. Puis il y a vraiment de prises différentes. C'est toutes des mini-sections. Fait que c'est vraiment quand tu vois le résultat à la fin, là, c'est le fun. Les chansons de Galaxy tombent très peu à la radio, mais ça ne semble pas affecter Olivier Langevin. Ça s'en sort super bien quand même, je pense vraiment pas à ça quand je sors un disque. Tout ça, si ça a passé à la radio, je serais tout à fait enchanté, mais je pense pas à ça. Puis on réussit à tourner, puis à faire des shows, puis à vendre des disques depuis 15-20 ans déjà, fait que ça, c'est pas nécessaire, je crois. La soirée met également en vedette une formation locale qui rayonne et qui attire son lot de fans. Salut tout le monde, ici Michael, Raphaël et Anthony. On est Orange Clock. Rappelons que le trio a remporté en mai dernier le concours Searching Light de la CBC. On était super excités parce qu'à la base, on voulait même pas le faire. C'est CBC qui nous ont approché plein de fois. Ils ont dit « Pourquoi vous le faites pas, tu sais, essayez-le? » Puis finalement, on a dit « Garde, on va sortir une nouvelle tune en même temps. Ça va être quelque chose de nouveau. Ça va être un nouveau départ pour nous, tout ça. » Fait que finalement, on s'est ramassé qu'on a remporté ce concours-là à travers le Canada. On a été nommé The Best New Canadian Artist au mois de mai. Pour eux aussi, le clip représente une belle carte de visite, surtout quand il y a du kung-fu et des belles filles. On a travaillé avec Admin Trong, Alexandre Auré à la production, puis une super grosse équipe à Montréal. Ça a vraiment été quelque chose d'hallucinant. Il y avait du kung-fu, tu sais, la grosse mise en scène. C'était un trip de petits gars qu'on a réalisé enfin. Là, c'est tout d'avoir, je pense, du kung-fu puis une belle fille dans notre clip. C'était comme tout en même temps. Non, en fait, non, c'est vraiment c'est ça à temps plein. C'est vraiment notre plan A, le band. Ça a toujours été clair. Puis je pense que c'est l'attitude qu'il faut adopter aussi. Nous, on n'étudie pas en médecine, on est en musique puis dans l'école de la vie. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est le ben à 100%. Jean-Pierre Quirion pour estrieplus.com.